de langue française de l'Ontario. Et euh, ça fait cinq ans que je suis euh, aussi membre du conseil d'administration du REFAD. Donc, euh, pour moi, c'est un honneur d'animer euh, cet atelier-là. Donc, Elodie, euh, si tu es prête à lancer l'enregistrement. Oh, oh, J'ai vu qu'il y a des gens de la Colombie-Britannique excellent, des gens d'un peu partout. Il y a une belle représentation. Donc, euh, avant de débuter la présentation officielle, le REFAD, le Réseau franc-canadien, reconnaît qu'il est situé en territoire autochtone traditionnel non cédé par voie de traité et souhaite saluer ceux et celles qui, depuis les temps immémoriaux, en ont été les gardiens traditionnels. Nous exprimons notre respect pour la contribution des peuples autochtones à la culture des sociétés ici et partout autour du monde. La présentation de cet atelier aujourd'hui est rendue possible grâce à l'appui financier du gouvernement du Canada, du secrétariat du Québec aux relations canadiennes et des membres du réseau d'enseignement francophone à distance. Donc, merci d'être présent avec nous aujourd'hui pour cet atelier intitulé Espace Innova, un centre de recherche, de formation et d'expérimentation en technopédagogie. Donc, depuis plus de 30 ans, euh, Hubert Lalande œuvre dans le domaine de l'éducation, de l'édition de ressources pédagogiques et de l'apprentissage numérique. Il a dirigé de nombreuses équipes de développement de cours en ligne pour les niveaux d'enseignement secondaire, donc les cours qu'on enseigne au Québec, euh, au niveau collégial et, et universitaire. Euh, par la suite, à titre de gestionnaire des programmes des initiatives francophones du Campus Ontario, il a entre autres géré des projets novateurs en apprentissage expérientiel et des projets de développement de ressources éducatives libres. Depuis le mois d'avril 2020, Hubert travaille à l'Université d'Ottawa à titre de gestionnaire du développement numérique et depuis le mois de mai 2021 à titre de directeur de l'innovation pédagogique et de l'apprentissage numérique au service d'appui à l'enseignement et à l'apprentissage, le SAEA -E de l'Université d'Ottawa. Donc, euh, Monsieur Lalande, ça fait un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui et euh, je vous laisse la parole. Moi, j'étais au lancement d'Innova et donc j'ai hâte aussi d'en apprendre davantage. Donc, euh, à toi. Voilà. Merci beaucoup Isabelle et merci beaucoup au REFAD pour cette invitation qui va me permettre donc de présenter l'initiative et le projet Innova à l'ensemble des gens qui n'ont pas encore eu cette information. Donc je vais partager mon écran. Vous me direz si euh, tout est beau. Vous voyez, tout le monde voit bien mon écran Super, parfait. Donc, ça me fait grand plaisir aujourd'hui de vous parler de l'initiative Innova. Et puis, je trouve que c'est pertinent d'en parler au REFAT parce qu'en fait, Innova, vous le verrez, est vraiment un lieu de réseautage et de partage euh, auquel toutes les institutions d'enseignement, que ce soit élémentaire, secondaire, vont pouvoir collaborer, même à distance. Et je vais vous expliquer dans la présentation comment est-ce que euh, les établissements euh, en région éloignée vont pouvoir aussi donc contribuer et collaborer aux différentes activités que l'on va proposer euh, à Innova. Donc, comme ça a été mentionné par Isabelle dans l'intitulé, euh, Innova est avant tout un espace donc de création, de collaboration, de formation. De recherche et d'expérimentation de toutes les nouvelles technologies euh, qui peuvent venir appuyer euh, l'enseignement et l'apprentissage. Alors, évidemment, derrière le mot nouvelle technologie, euh, on se demande qu'est-ce que ça peut être. Euh, pour l'instant, dans la première euh, phase de développement euh, d'Innova, on a mis beaucoup l'emphase sur toutes les technologies euh, en apprentissage immersif. Je vais tâcher de me tenir à ma présentation parce que j'ai toujours le luxe de faire des présentations et, et de partir euh, à de libre sans, sans me fier donc. Euh, à ma présentation. Donc, Innova, c'est quand même un projet d'envergure puisqu'on parle donc de 6,5 millions pour la phase 1 du projet, puisqu'on appelle la phase 1, ça a été principalement la construction de l'espace Innova et de l'achat des équipements pour l'année 1. On parle quand même donc du sixième étage d'un bâtiment à l'université d'Ottawa qui s'appelle le Carrefour des apprentissages et donc on parle quand même de 1600 mètres carrés. Et pour les gens qui ne sont pas encore convertis au mètre carré c'est, on parle à peu près de 17 000 pieds. Donc ça vous donne une, une idée de l'envergure euh, de tous les espaces de collaboration et de travail qu'on a à Innova. Donc Innova il est unique euh, en Ontario et au Canada pour deux raisons. Alors la première raison c'est que comme je vous l'ai mentionné ça va être beaucoup beaucoup axé sur la recherche, sur l'expérimentation aussi de nouvelles technologies mais aussi donc un espace de formation. Et la grande particularité c'est que dans le cadre du continuum en éducation, on a voulu que INNOVA soit ouvert aux trois paliers d'enseignement, donc au niveau élémentaire, secondaire et post-secondaire. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, euh, au niveau de l'éducation de langue française, évidemment l'Université d'Ottawa étant une université bilingue, on reçoit énormément d'élèves et d'étudiants euh, francophones qui viennent des conseils scolaires de l'Ontario, mais qui viennent aussi euh, du Québec, qui viennent du Nouveau-Brunswick ou qui viennent d'autres provinces et qui désirent continuer à travailler et à étudier en français. Donc ça nous semblait important d'ouvrir euh, cette dynamique d'Innova aux trois paliers euh, d'enseignement. Un des objectifs euh, d'Innova, c'est évidemment de viser une éducation moderne qui soit pertinente, engageante et de haute qualité, spécifiquement adaptée aux apprenants de langue française. Il reste une inéquité euh, en termes euh, de compétences numériques euh, qui peuvent être développées en français. Beaucoup des technologies, de toutes les ressources qui accompagnent les nouvelles technologies sortent encore principalement en anglais. Quand on cherche des tutoriels, par exemple euh, comment utiliser telle ou telle technologie, la plupart de tous les tutoriels... Euh, tout ce qu'on appelle logiciels gratuits, donc les gratuitiels, etc., la majeure partie sont en anglais, donc il y a quand même une iniquité et un désavantage pour les élèves et les étudiants francophones par rapport à toutes les nouvelles technologies dont ils pourraient se servir adéquatement pour découvrir de nouvelles approches et designs d'apprentissage. Donc, un des mandats d'Innovo, c'est aussi d'offrir des expériences éducatives à la fine pointe de la technologie. Comme je vous l'ai mentionné, cette année, on met beaucoup l'emphase sur toutes les technologies immersives, réalité augmentée, réalité virtuelle. Et pour que ce soit donc ouvert aux étudiants et aux éducateurs de l'Ontario, mais bien évidemment à toutes les autres provinces canadiennes. Alors, pour les personnes du Québec, vous allez évidemment beaucoup m'entendre parler aujourd'hui euh, de la situation linguistique minoritaire, mais il est bien évident qu'on euh, va également collaborer euh, avec des établissements du Québec. On a déjà été approché d'ailleurs par des universités qui ont différents laboratoires au niveau virtuel et qui veulent collaborer avec Innova. Donc, évidemment, la porte va rester ouverte, mais Innova est en priorité euh, dédiée à la francophonie, euh, en milieu minoritaire. Donc, Innova vient aussi se positionner comme un ajout essentiel à l'infrastructure de la communauté francophone parce que, comme je l'ai mentionné précédemment, l'idée est de mettre sur un pied d'égalité les apprenants francophones avec euh, les apprenants de la langue de la majorité, donc euh, les apprenants euh, anglophones, qui ont évidemment plus facilement, en fonction euh, du, du nombre d'élèves ou d'étudiants dans les institutions respectives, qui ont accès beaucoup plus facilement à des technologies de pointe et tout le matériel d'appui qui vient en anglais. Donc l'idée d'Innova, ça va être vraiment de stimuler le développement de ressources d'appui en français également. Alors Innova, évidemment, le grand bailleur de fonds et patrimoine canadien avec l'Université d'Ottawa, mais évidemment, quand on regarde la raison d'être et le mandat d'Innova, il vient en plein appuyer donc le plan d'action pour les langues officielles du Canada en facilitant la diffusion des connaissances des méthodes et des outils pour soutenir le monde de l'éducation et les minorités linguistiques ainsi qu'en favorisant et en enrichissant l'éducation des minorités. Alors dès le départ, on a eu plusieurs partenaires qui sont venus se positionner par rapport donc à notre projet, notre vision d'Innova, on a bien évidemment comme je l'ai mentionné patrimoine canadien qui est notre premier bailleur de fonds. Ensuite, on a approché différentes institutions en Ontario qui jouent un rôle majeur au niveau de l'éducation de langue française, donc entre autres le groupe Média TFO, sous son appellation officielle l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, parce qu'ils étaient à la fois, ils le sont toujours, un producteur télévision, mais aussi un producteur de ressources pédagogiques et qui ont mis, il y a plusieurs années déjà, en place euh, un laboratoire très novateur qui s'appelle le Laboratoire d'univers virtuel, le Louvre, et qui nous permettait euh, donc euh, de pouvoir explorer euh, de potentiels partenariats puisqu'on avait beaucoup misé, nous, sur les environnements d'apprentissage immersif. Sur un plan plus canadien, on a eu évidemment euh, comme premier partenaire l'Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne pour venir nous appuyer dans notre demande à patrimoine canadien. On a eu également en Ontario le Centre Franco, donc euh, le Centre Franco-ontarien de ressources pédagogiques, qui assure le développement des ressources pédagogiques et offre euh, continuellement de la formation personnelle enseignant des douze conseils scolaires de langue française. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler en partenariat avec tous les organismes, institutions et acteurs qui travaillent euh, à une éducation de langue française euh, novatrice et, et, et moderne, répondant donc euh, à tous les besoins euh, du 21e siècle. On a eu également la Fédération nationale des conseils scolaires francophones, donc la FNCSF, parce qu'évidemment on veut aussi appuyer et rejoindre les travailleurs en réseau avec l'ensemble des conseils scolaires francophones à travers le Canada. Et on a eu, bien évidemment, aussi un appui prononcé du consortium d'apprentissage virtuel de langue française, du CAVELFO, puisqu'ils ouvrent des cours en ligne aux 12 conseils scolaires de langue française. Et évidemment, on va beaucoup, beaucoup parler aussi de tout ce qui est apprentissage en ligne, évaluation en ligne, etc., au niveau des différents ateliers de formation qu'on va offrir tout au long de l'année. Et enfin, le dernier, mais pas des moindres, on a eu aussi un appui marqué du Consortium National de Formation en Français, en Santé, pardon, en français aussi d'ailleurs, le CNFS, euh, parce qu'évidemment, le CNFS, dans le domaine des soins de santé, euh, tout ce qui est apprentissage immersif, immersif, pardon, réalité virtuelle, réalité augmentée, euh, présente énormément d'intérêt au niveau de nouveaux modules de formation. Alors, comme vous le savez, toute université qui se respecte, il y a quand même beaucoup toujours un travail de culture en silo. Et il existait, entre autres, à l'Université d'Ottawa, énormément de laboratoires qui opèrent très très bien dans chacune des différentes facultés, mais très souvent qui opèrent trop en vase clos par rapport à d'autres facultés. On ne voulait pas que Innova vienne, encore une fois... Euh, se positionner en marge de toutes les autres initiatives des laboratoires technopédagogiques ou technologiques qui pouvaient se placer euh, à l'université d'Ottawa. Et donc, euh, en 2023, on a décidé de mettre en place un comité consultatif. Pour que Innova soit vraiment une initiative transversale à l'Université d'Ottawa et que chaque faculté, chaque service puisse quelque part s'approprier également Innova, avec pour ambition de créer et d'animer aussi ses propres activités. Donc, afin que Innova opère comme une espèce de hub sur l'ensemble de l'Université, on a mis donc en place ce comité consultatif qui est allé en fait recruter de manière informelle. Des professeurs qui étaient déjà très très marqués dans le domaine de la recherche et de l'innovation et qui ont voulu embarquer pour donc ce nouveau projet INNOVA. Donc INNOVA, sa volonté au niveau de l'université, mais par la suite au niveau de la province et au niveau national, ça va être vraiment de s'inscrire en cohérence et complémentarité avec toutes les autres initiatives qui peuvent déjà exister. Comme vous pouvez l'imaginer, toutes les technologies qu'on peut avoir au niveau de l'apprentissage immersif coûtent toutes très, très cher. Euh, on, je vais vous parler plus tard de cylindres immersifs. Je vais vous parler de casques de réalité virtuelle. Toutes ces technologies sont très, très coûteuses. Donc, l'idée de travailler en réseau et en complémentarité, c'est évidemment d'éviter euh, d'élaborer de, de, les mêmes types de projets avec les mêmes types de technologies et de travailler en réseau pour pouvoir de manière complémentaire pouvoir exploiter faire de la recherche par rapport à différentes technologies pour ne pas systématiquement dans nos demandes de fonds qu'elles soient à patrimoine canadien ou ailleurs toujours 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 euh, demander le même type de technologie et travailler de, man de manière plus complémentaire. Donc au niveau de ce premier comité consultatif Innova euh, très rapidement on a eu la librairie euh, qui a embarqué on a eu donc l'école de gestion Telfer, on a eu la faculté d'éducation, la faculté des arts, faculté de génie, faculté des sciences sociales, faculté des sciences de la santé et la faculté de droit. Donc, avec la vocation de devenir vraiment transversale à l'ensemble de nos facultés, juste la membriété de ce comité consultatif peut vous démontrer qu'on est vraiment dans le domaine plurimultidisciplinaire au niveau de tout ce qu'on va pouvoir animer en termes d'activité et d'expérimentation à Innova. Pourquoi la librairie Vous allez le voir un petit peu plus tard. C'est qu'à des piliers euh, d'Innova, c'est vraiment de stimuler le développement euh, de ressources d'appui, de ressources en français sous forme de ressources éducatives libres. Et l'équipe de la librairie a une équipe qui est dédiée donc, au développement de ressources éducatives libres, donc sous licence Creative Commons. Et évidemment, eCampus Ontario va nous appuyer au niveau de la diffusion à l'ensemble de la communauté francophone pan-canadienne de tout ce qu'on va pouvoir développer à Innova pour que ça retourne à la communauté sous forme de licence de, pardon, de ressources éducatives libres alors le comité aussi, puisqu'ils étaient déjà euh, en provenance de différentes facultés, ça nous a permis aussi de faire une analyse des besoins et de travailler en collaboration et de commencer à identifier donc des projets d'expérimentation, des projets de recherche, de, de nous aider aussi, de nous appuyer dans le développement des partenariats et des commandites. Donc je vais parler à plusieurs reprises de commandites, euh, de partenaires et commanditaires dans ma présentation. Parce que si Innova a eu un financement de base pour la construction de l'infrastructure et l'achat des équipements, euh, au moment où on se parle, on n'a aucun budget d'opération, on n'a aucun budget de fonctionnement. Donc, c'est un défi additionnel, mais c'est un beau défi. Ça va être donc d'aller chercher du financement extérieur. Alors, le financement extérieur via, va bien évidemment venir par les partenaires commanditaires, mais va venir aussi euh, en allant euh, demander des fonds au crsh par exemple au niveau de, de budget de recherche et, et également avec euh, des projets euh, d'expérimentation de, et de partenariat aussi avec l'entreprise privée donc on est aussi euh, dans le cadre d'un plan d'affaires on va aussi louer nos espaces pour pouvoir générer de revenus parce qu'on a besoin donc euh, comme on dit familièrement de faire tourner la machine et de faire des embauches additionnelles euh, parce que la croissance d'innova risque d'aller très très rapidement. Alors, vous allez pouvoir me dire, c'est bien beau d'avoir un mandat pour canadien quand on est situé au sixième étage sur le campus de l'Université d'Ottawa et vous auriez tout à fait raison de me poser cette question. Donc, on a, on a bâti un concept qui s'appelle les satellites Innova. Donc, qu'est-ce que les satellites Innova D'une part, c'est pour pouvoir décentraliser euh, toutes les activités d'Innova. Alors, il faut savoir que toutes nos salles euh, de collaboration, de design thinking, euh, d'expérimentation, de, toutes nos salles sont équipées de systèmes de vidéoconférence de pointe pour, dans un premier temps, permettre à des établissements, des organismes extérieurs euh, d'Ottawa, de l'Ontario ou, ou même à l'extérieur du Canada de pouvoir participer et collaborer à nos activités. On a des systèmes de vidéoconférence de pointe où toutes nos salles sont équipées au minimum de 4 à 6 euh, caméras de vidéoconférence qui détecte automatiquement la voix et les mouvements donc ça permet de manière très très confortable donc de pouvoir euh, aller chercher la collaboration d'organismes extérieurs. On veut aussi évidemment euh, être rejoignable via les satellites Innova par un souci d'équité et d'accessibilité encore une fois pour donner euh, la chance à des petits établissements euh, ou même des établissements d'importance mais à l'extérieur de la région de pouvoir accéder à tout ce qui se fait en termes de recherche et d'expérimentation. Alors, les satellites Innova euh, peuvent des fois euh, stimuler l'aménagement facultatif de salles dédiées dans des établissements d'enseignement. On a déjà été contacté euh, par quelques établissements à l'extérieur de l'Ontario qui voulaient savoir, par exemple, si pour être membre des satellites Innova, du réseau des satellites Innova, il y avait le besoin d'avoir obligatoirement une salle dédiée avec des caméras de vidéoconférence, avec des technologies en réalité virtuelle ou réalité augmentée. Pas du tout. C'est certain que s'il y a des établissements qui peuvent s'équiper avec des technologies compatibles avec ce qu'on a à Innova, c'est bien. Mais si les, si les établissements n'ont pas les moyens ou les infrastructures, simplement d'avoir du Zoom, du Teams, du Google Meet, ça peut suffire pour déjà collaborer et être un satellite innovant. Dans le cas des satellites innovants, euh, comme on sait que ces technologies-là coûtent très cher, euh, on a fait euh, une demande, une deuxième demande à Patrimoine canadien, pour aussi avoir euh, en banque des kits technologiques qu'on pourrait envoyer donc à ces établissements membres des satellites Innova. Et quand on parle de kits technologiques, on parle de kits technologiques qui soient portables, donc des casques HoloLens qui, en passant, valent quand même 6 000 Donc, toutes les écoles ou tous les collèges n'ont pas nécessairement les moyens de s'acheter des casques HoloLens, des casques MetaQuest en réalité virtuelle ou des petits systèmes holographiques portatifs, également des technologies de suivi oculaire. Si, par exemple, on est intéressé à pouvoir mesurer et améliorer, par exemple, l'interprétation de ressources numériques pédagogiques, euh, on, peut, on peut faire des projets de recherche et d'expérimentation avec des technologies en suivi oculaire pour voir où est-ce que l'œil euh, de l'étudiant et de l'élève euh, s'arrête, est-ce euh, qu'il regarde la vidéo en premier, si elle est, coin, elle est placée dans le coin à droite, etc., etc. Donc les technologies de suivi oculaire peuvent être très très intéressantes pour améliorer les interfaces d'apprentissage au, au niveau des ressources numériques par exemple. Donc, voilà un petit peu les, les kits technologiques et on les prêterait dans le cadre donc, de, de projets de recherche qui nous seraient soumis. Alors, comme je vous l'ai mentionné, il faudra que tous les projets de recherche qui nous soient soumis viennent avec euh, un financement, mais on peut aussi travailler avec les établissements extérieurs, on peut travailler avec eux euh, à participer, donc euh, à monter des dossiers pour des demandes de financement. Et, et dans le cadre euh, donc de projets qui seraient soumis et qui seraient évalués par un, un comité euh, à, à l'interne d'Innova, mais dans lequel pour l'instant on aura euh, des chercheurs, des profs, des étudiants euh, de l'Université d'Ottawa, mais aussi d'ailleurs, parce qu'on veut élargir ce comité euh, d'évaluation des projets avec des partenaires extérieurs, une fois que le projet euh, est retenu parce qu'il cadre exactement avec le mandat et la raison d'être d'Innova. On prêterait donc ce matériel gratuitement pendant toute la durée du projet. Euh, et en contrepartie, on demanderait que toutes les ressources qui soient développées dans le cadre de ce projet puissent nous être partagées euh, pour qu'on puisse les repartager à la communauté sous forme de ressources éducatives libres. Alors évidemment, on est conscient de toutes les limites euh, des droits d'auteur, de la propriété intellectuelle, etc. On sait que ça ne sera pas toujours possible de tout repartager à la communauté, mais on va faire notre maximum en tout cas. Pour avoir le, le maximum de ressources qui soient repartagées avec la communauté. On va mettre, bien évidemment, à compter de cet automne des, des, des communautés de pratique, encore une fois, pour qu'il y ait des échanges, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets déjà en élaboration à travers le Canada, en réalité augmentée, réalité virtuelle. On apprend tous, on part tous souvent d'une page blanche. Euh, parfois, on commet tous aussi les mêmes erreurs, les mauvais investissements. Donc l'idée dans les communautés de pratique, que ce soit au niveau technologique, au niveau pédagogique, euh, au niveau recherche et développement, c'est vraiment de mettre en place des communautés euh, pour vraiment travailler euh, ensemble euh, et s'appuyer et s'épauler. Pour, pour éviter de perdre trop de temps, donc synonyme de trop d'argent, et surtout donc de pouvoir très rapidement produire des ressources qui soient hyper pertinentes à la communauté. Et comme je vous l'ai mentionné, donc stimuler via les satellites Innova et le réseau des satellites Innova. Donc, stimuler le partage de ressources éducatives libres en français. Euh, il y a eu énormément d'efforts de la part de eCampus Ontario euh, ces dernières années avec une équipe bilingue et francophone pour stimuler donc le développement de ressources éducatives en français. Mais si on, on navigue et qu'on fait des recherches, ça reste en grande, 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 grande majorité encore donc euh, des ressources éducatives libres qui sont toujours en anglais donc il y a énormément d'efforts à faire au niveau du français et on est là pour appuyer donc la production et la diffusion de ressources éducatives libres en français et ensuite et enfin euh, l'idée du satellite innova c'est aussi de faire des demandes conjointes à patrimoine canadien vous savez que quand on fait une demande bon euh, qui vient euh, d'une province euh, Parfois, ça passe, parfois, ça ne passe pas. Mais si on est capable de travailler tous ensemble avec différentes institutions et différentes provinces de manière collaborative pour présenter des projets de partage et de collaboration à patrimoine canadien, je pense qu'on augmente des chances d'aller chercher du financement. Donc, c'est aussi un des axes de travail du réseau des satellites Innova. Alors innova vient donc se placer en soutien du personnel enseignant en étant avant tout aussi un espace de formation donc c'est le service d'appui à l'enseignement et l'apprentissage de l'université d'Ottawa qui a la responsabilité de gérer donc les accès et l'accueil des enseignants chercheurs et étudiants qui viennent travailler collaborer à innova avec à disposition donc une équipe de spécialistes technologiques pédagogiques et multimédias Évidemment, le défi, euh, c'est encore une fois la capacité euh, du SAEA à pouvoir faire face à toutes les demandes d'innova. C'est la raison pour laquelle on a déjà euh, entamé des démarches pour aller chercher un financement pour avoir une équipe dédiée à innova, puisqu'évidemment au niveau de la charge de travail, ça devient très très intense euh, pour le SAEA. D'où l'idée donc de compléter l'équipe existante avec euh, une équipe dédiée. On veut donc animer des ateliers sur les ressources éducatives libres en partenariat donc avec la bibliothèque qui est partenaire d'Innova, comme je vous l'ai déjà mentionné, pour pouvoir stimuler le développement de ressources éducatives libres en français pour être partagées avec la communauté. Et puis, on me pose souvent la question est-ce que vous allez fermer les portes à des projets en anglais Alors, il est certain qu'on ne fermera pas la les portes d'Innova à des projets très novateurs en anglais. Par contre, la francophonie aura toujours priorité euh, au niveau de tout ce que l'on va faire comme initiative à Innova. Et si on, a, on, on, on accepte des projets de langue anglaise, euh, ça sera à la condition que tout le matériel qui va pouvoir être développé dans le cadre de ce projet-là puisse être adapté en français et repartagé sous forme de ressources éducatives libres à la communauté éducative francophone. Donc, on essaie, en tout cas, malgré le mandat que l'on a et la priorité que l'on va respecter, on essaye de rester très, très ouvert. Donc, je voulais mentionner euh, pour pouvoir compléter euh, l'équipe du SAEA euh, qui a déjà une charge de travail énorme. On a fait donc une demande à Patrimoine Canadien pour une équipe dédiée dans le cadre d'un nouveau fonds. Donc, la demande a été adressée en septembre 2023, donc maintenant ça fait plus d'un an. On n'a toujours pas eu de réponse, mais au moins la réponse n'est pas négative, donc on continue d'espérer. L'idée, donc, au niveau des ressources, ce sont des ressources partagées entre le SAA, la bibliothèque et la faculté d'éducation, parce qu'on a aussi partagé différents postes et responsabilités. Donc euh, avec un poste de gestionnaire, un poste additionnel de spécialiste pédagogique, un poste euh, dédié, un poste de bibliothécaire dédié donc aux ressources éducatives libres, un poste pour nous appuyer euh, au niveau euh, des différentes chaires de recherche et bureaux de recherche qu'on a déjà, euh, je vais vous en parler un petit peu plus tard, donc quelqu'un pour nous appuyer à coordination à la recherche. Je voulais mentionner qu'il était très très important de développer des partenariats avec la communauté francophone à travers le Canada, donc un poste dédié à la communication et au partenariat communautaire et évidemment une personne dédiée au support technologique parce qu'on a de toutes nouvelles technologies ici euh, qu'on n'a pas encore utilisées, donc on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un euh, dédié euh, qui nous appuie donc au niveau du support technologique. Et dans le cadre donc de cette demande, on a également ajouté de nouveaux kits technologiques qu'on pourrait envoyer donc à nos établissements partenaires dans le cadre du réseau des satellites Innova. Alors, Innova a officiellement été inauguré le 25 septembre 2024, donc la semaine passée, on a eu plus d'une centaine de personnes qui ont participé sur place et à distance à l'inauguration d'Innova. On avait des personnes euh, des quatre coins du pays, donc ça a été euh, un très bel événement et, et on a eu énormément déjà beaucoup, beaucoup d'intérêt avec des demandes de réservation de nos espaces, avec des suggestions de projets à faire ensemble, etc. Et en tout cas, si jamais vous êtes euh, de passage dans la région, euh, n'hésitez pas à me contacter. Vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation. Ça me fera grand plaisir de vous faire euh, un tour VIP, comme on dit, personnalisé de nos installations d'Innova. Ça nous fera en tout cas très plaisir de vous re recevoir chez nous. Et comme je dis régulièrement, chez nous, c'est aussi chez vous en tant que tel, puisque euh, Innova vous est ouvert. Donc l'espace Innova, je voulais mentionné, 1600 mètres carrés. Donc c'est le sixième étage du bâtiment euh, du Carrefour des apprentissages. Euh, qui qui se sépare donc un petit peu euh, entre la partie gauche et la partie droite en regardant l'écran. La partie gauche est beaucoup dédiée à tout ce qui est euh, co-design, design thinking, euh, remue-ménage. Euh, et quand je dis co-design, c'est co-design euh, aussi entre euh, enseignants, profs, chercheurs, étudiants, qui doit faire partie donc du processus de co-design. Et la partie droite euh, de l'espace d'innovoc est beaucoup beaucoup dédiée donc à l'expérimentation. Donc on co-concepte, on, on co-design on co dans la partie gauche, et on va tester avec les technologies dans la partie droite. Donc, les espaces collaboratifs, espaces de réflexion, salle collaborative, et sur la partie droite, salle de classe interactive avec notre fameux cylindre immersif. Mais je vais rentrer plus en détail au niveau de la présentation des technologies. Donc les espaces collaboratifs avec des photos toutes récentes, parce que jusqu'alors on avait beaucoup des, des, du montage photo maquette, parce qu'on était encore beaucoup dans, dans les préparatifs, mais là c'est un petit peu les photos les plus récentes qu'on a eues. Donc euh, des espaces collaboratifs très ouverts, très confortables, comme vous pouvez le voir, et tout équipé avec des systèmes d'audio-vidéoconférence de, et des grands écrans euh, interactifs, donc qui permettent à la fois d'avoir euh, la même vidéoconférence sur tout le sixième étage ou sur des étages partagés. Et puis euh, aussi de pouvoir euh, arriver avec son propre ordinateur portable ou son téléphone et par un système de partage euh, audio vidéo sans fil de pouvoir partager euh, tous les contenus sur place et à distance que l'on peut avoir. Donc c'est très orienté apporte ton appareil portatif si vous voulez c'est pour ça que vous n'ayez pas beaucoup d'ordinateurs parce que l'idée c'est que les gens aujourd'hui viennent avec leur propre matériel et on a mis toutes les technologies euh, sans fil en place pour que les gens puissent librement partager euh, donc leur contenu et toutes les technologies pour pouvoir collaborer sur place et à distance. On a également, euh, vous voyez sur l'image de droite des murs qui, qui sont encore en espace libre parce qu'on veut aussi que les gens puissent travailler avec des post it de couleur pour monter des cartes conceptuelles. On a aussi des écrans blancs qui ne sont pas des tableaux blancs pardon qui ne sont pas numériques mais le bon vieux tableau blanc sur lequel on écrit à la main. Donc on a toutes sortes de supports pour pouvoir euh, appuyer tout ce qui est euh, remue ménage et partage. Alors, on a fait l'acquisition d'un système holographique euh, et on peut se demander pourquoi un système holographique. Ben, en fait, l'idée, euh, c'était de pouvoir euh, donner accès à tous nos partenaires et au projet Innova, de pouvoir donner accès à des experts de langue française à travers le monde entier sans être toujours heurtés au budget de déplacement, au budget d'hébergement et au décalage horaire, etc. Donc, on a un système holographique. La photo ne lui rend pas euh, hommage, on va dire, ou honneur. Parce que quand vous êtes face à face à ce système, vous avez vraiment l'impression que vous avez une vraie personne qui est en face de vous en tant que telle. Et, et de l'autre côté, tout ce que ça demande donc au niveau donc du studio de, de production, c'est simplement une personne tournée sur un fond blanc avec une caméra numérique, je dirais professionnelle, mais sans extravagance au niveau des coûts. Et, et, et le rendu sur place à Innova est fantastique pour les personnes qui ont eu la chance de, de le voir en face à face. Euh, et, et à partir de là, donc, on est capable d'avoir accès à n'importe quel expert dans des domaines très, très précis qui parle en français. Donc on parle souvent de rôle modèle au niveau de nos élèves et de nos étudiants. Ça leur, per, ça leur permet de constater qu'on peut étudier, travailler en français et d'atteindre une renommée internationale dans des domaines très très spécifiques, que ce soit dans le domaine des sciences, de l'ingénierie ou autre là en tant que tel. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait, euh, fait l'acquisition de ce système euh, holographique. On a des systèmes holographiques portatifs qui ont fait l'objet de la deuxième demande qu'on a faite à patrimoine canadien, donc qui viennent, euh, qui est à peu près l'équivalent d'un gros d'un grand écran d'ordinateur. Euh, et qui permet donc des affichages holographiques euh, avec donc euh, des représentations visuelles en 3D mais vraiment en haute qualité et qui peuvent être manipulées en tant que telles de la même manière qu'on est capable donc de, de bouger des objets sur euh, même un iPhone aujourd'hui mais il n'y a pas encore le rendu 3D mais ce système holographique est, est, est très impressionnant au niveau de la qualité et permet aussi donc euh, à un étudiant un élève donc de manipuler et d'explorer donc des contenus donc, donc là on a un exemple dans le domaine de la biologie, mais toutes sortes de contenus peuvent être affichés sur ces écrans holographiques. Et on a évidemment toutes les capacités de production et les logiciels de production. Donc toutes les technologies dont je vais vous parler, on a aussi euh, la capacité de production. Est-ce qu'on a toutes les expertises de production la réponse est non. Euh, l'idée, c'est qu'on va beaucoup travailler par appel d'offres avec euh, l'entreprise privée qui ont déjà plusieurs années d'expérience dans les domaines, euh, donc, euh, de, 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 des images en 3D, que ce soit dans le domaine de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Et l'idée, donc, c'est de travailler euh, avec l'entreprise privée par appel d'offres pour, en fait, au fur et à mesure, nous aussi, nous développer notre propre capacité au niveau des expertises qu'on n'a pas encore. Donc, on a des salles de classe interactive. Euh, une, on a deux salles de classe interactive. Donc, ce ne sont pas des salles du registraire. Ce sont des salles où des enseignants vont pouvoir venir avec leurs élèves ou des profs avec leurs étudiants pour expérimenter de nouveaux designs et concepts. On a déjà des réservations pour euh, des hackathons pédagogiques pour pouvoir créer des nouvelles ressources avec des étudiants. Donc, vous voyez, on a des grands écrans. Euh, l'aide interactive. On a les systèmes de vidéoconférence dans les différentes salles interactives. Et, et l'image en bas au milieu, c'est pas que l'image est mal cadrée, c'est que c'est une table interactive donc, où on peut avoir jusqu'à 8 personnes euh, qui peuvent manipuler donc des contenus sur cette table interactive qui est aussi rediffusée euh, à distance pour les établissements qui sont à distance. Donc euh, vous voyez donc euh, de, de grandes salles, capacité à peu près de 50 personnes qui peuvent être aussi réservés, si ça vous intéresse, pour des projets qui cadrent avec, avec le mandat et la vision d'Innova. Ensuite, on a le fameux cylindre immersif. Donc, on a beaucoup de technologies immersives. Vous le savez, les casques de réalité virtuelle, réalité augmentée, il y a des choses fantastiques qu'on peut faire avec, mais même si on peut les mettre en réseau, très souvent, elles isolent l'apprenant dans son apprentissage. On voulait un cylindre immersif pour vraiment immerger. Des groupes d'élèves ou des groupes d'étudiants. Euh, J'ai mis jusqu'à 20 personnes. La compagnie dit jusqu'à 50 personnes, mais personnellement, je ne pense pas qu'on peut mettre 50 personnes dans le cylindre immersif. Il fait 9 mètres de diamètre. Et là, c'est vraiment de l'immersion. Alors, ça peut être de la photo, ça peut être de la vidéo. Euh, on peut avoir aussi donc, de la scénarisation à branche avec des stratégies. Donc, on peut mettre, par exemple, comme dans un jeu d'évasion, on peut tourner une situation en vidéo à 360 degrés. La vidéo s'arrête. Pour sortir de cette situation, on a euh, différentes options, stratégie A, B, C ou D. Donc les étudiants au milieu de ce euh, cylindre immersif peuvent travailler ensemble à savoir quelle serait la meilleure stratégie pour résoudre la situation qu'ils viennent de voir. Et on a des caméras à l'intérieur du cylindre immersif qui observent tout ce qui se passe dans le cylindre immersif et qui rediffusent donc euh, toutes les actions dans le cylindre immersif à l'extérieur. Et quand je dis à l'extérieur... C'est soit sur l'espace, l'ensemble de l'espace Innova, ou même avec des établissements à l'extérieur d'Ottawa et de l'Ontario qui veulent travailler à distance. Donc, le cylindre immersif immerge énormément et, et on est vraiment dans la réalité mixte, puisqu'on peut avoir, par exemple, et c'est un des projets dont je vais vous parler plus tard, des étudiants en droit qui viennent donc avec leurs textes, qui viennent avec leur lutrin, qui se mettent au milieu du cylindre immersif et qui vont s'entraîner à la plaidoirie devant une cour devant un tribunal et on est allé tourner à la Cour suprême au mois de juin avec une caméra 360, ce qui va mettre vraiment l'étudiant au maximum du plus près de la réalité grâce donc à cet environnement immersif. Alors, on a aussi pour l'instant euh, euh, quelques casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc, on a les casques HoloLens qui permettent de la réalité augmentée. On a des casques MetaQuest et on, on vient de faire l'acquisition de deux premiers casques Apple Vision. Parce que l'idée, c'est d'essayer euh, toutes sortes de nouvelles technologies et de voir... Qu'est-ce qu'on peut faire comme projet pédagogique ou projet de formation qui soit pertinent en utilisant ces technologies? Donc, évidemment, il y aura beaucoup d'essais-erreurs et, et peut-être qu'il y a des technologies qui vont disparaître et qu'on fera l'acquisition de nouvelles technologies. Et l'idée va être vraiment de travailler avec l'industrie des l'edtech, comme on dit, donc toutes les, toutes les entreprises technologiques qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Pour éviter, dans la mesure de possible, d'éviter de, de payer le plein prix de ces technologies, et on espère, pourquoi pas, d'être suffisamment séduisant un jour pour qu'on nous prête gratuitement les nouvelles technologies, on les teste et qu'on les essaye dans le cadre de contextes pédagogiques. Je regarde l'heure, ça va, je suis toujours bon. Alors, Innova, comme je vous l'ai mentionné, euh, c'est aussi un espace de recherche. Donc, euh, on a, comme vous le savez, à l'Université d'Ottawa, énormément de chaires de recherche et des chercheurs dans tous les domaines euh, variés. Donc, l'idée, c'est vraiment d'initier de, et de développer des projets appuyés par des chercheurs pour, entre autres, aussi aller chercher donc, des demandes de financement au CRSH ou ailleurs pour pouvoir donc financer euh, tous les projets de recherche que l'on veut mettre en place. Donc Innova veut venir vraiment appuyer et soutenir donc des projets de recherche avec les membres de la communauté de l'Université de, de l'Ottawa et d'ailleurs. On a alors pour ambition de mettre aussi un jour en place un programme de recherche pour encourager les chercheurs à soumettre leurs propositions et on va les accompagner dans la réalisation de leurs projets de recherche. On a par exemple à Innova une quinzaine de bureaux et sur les quinze bureaux, il y en a au moins quatre qui vont volontairement rester libres pour pouvoir accueillir des chercheurs en résidence. Qui vont rester à Innova pendant toute la durée du projet de recherche. Et évidemment, on va aussi faciliter tout ce qui est collaboration entre les chercheurs de l'université d'Ottawa et la communauté et les organisations francophones pour encore une fois stimuler donc tous les partenariats, la recherche pour répondre donc aux besoins de la communauté éducative. Donc euh, par rapport justement euh, à ces chaires de recherche, on a deux excellentes nouvelles. Vous voyez, on a juste été inauguré la semaine passée et on a déjà des annonces à faire. Donc on, a, on accueille déjà euh, la nouvelle chaire de recherche donc, de la professeure euh, Megan cottenham cappell qui est la chaire de recherche sur l'épanouissement numérique des communautés franco-ontariennes. On ne pouvait pas trouver mieux par rapport au mandat d'Innova. Et on vient tout dernièrement d'accueillir une nouvelle chaire de recherche, celle donc du professeur Jérémy Serreur de la Faculté des Arts, qui travaille donc pour l'Institut des langues officielles et du bilinguisme. Et sa chaire de recherche, elle est sur l'apprentissage des langues médiatisées par les technologies de l'intelligence artificielle pardonnez-moi. Donc évidemment, on aura énormément d'ateliers de projets au niveau des usages de l'intelligence artificielle, mais on a déjà deux chaires de recherche donc euh, qui sont présentes à Innova et Innova va quelque part aussi faciliter les échanges et les collaborations entre les différentes chaires de recherche. Donc au niveau des partenaires et commanditaires, pourquoi Alors comme je vous l'ai mentionné, c'est qu'on a besoin euh, très rapidement de se bâtir donc un budget de fonctionnement, un budget d'opération. Euh, aussi pour l'achat et le, le renouvellement des technologies, Uber parle moins vite, euh, parce que vous savez que d'ici 2-3 ans, quelques-unes des technologies qu'on a seront déjà désuètes. ça va tellement vite dans ce domaine-là. Et, et comme je vous l'ai dit, on ne veut pas constamment non plus aller à Patrimoine Canadien pour aller chercher du financement pour ces nouvelles technologies. Et on espère beaucoup pouvoir les cofinancer euh, via des partenaires, les commanditaires. On a pour ambition... Euh, de créer aussi un fonds de créativité pour faire venir en résidence des enseignants, des chercheurs, mais aussi des étudiants des autres provinces. J'ai déjà des provinces de l'Ouest qui aimeraient beaucoup euh, venir euh, à Innova avec des étudiants, donc euh, on veut travailler avec eux pour euh, essayer de monter donc un fonds de créativité pour permettre à des étudiants de venir euh, pendant quelques jours ou quelques semaines euh, à Ottawa, à Innova, travailler avec nos équipes pour, euh, pour bâtir de nouvelles ressources euh, pédagogiques. On veut aussi mettre en place un fonds événementiel, donc pour organiser, faire venir encore une fois des enseignants, chercheurs, des étudiants, pour organiser des symposiums, des conférences, des journées d'échange, des retraites. On n'a pas une capacité à Innova au niveau des espaces d'avoir des colloques de 300, 400 personnes, mais on peut facilement accommoder des petits symposiums, colloques d'une centaine de personnes en tant que tel. Et il y a d'ailleurs un premier symposium sur l'intelligence artificielle en éducation, euh, qui va avoir lieu euh, au mois de novembre euh, à Innova. Je pourrais vous communiquer les dates euh, plus précisément, euh, incessamment, sous peu. Et on va mettre aussi euh, en place un fonds pour financer un programme étudiant partenaire. Donc, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, le co-design pour aller chercher des élèves et des étudiants euh, à travailler donc, euh, avec des enseignants et des professeurs pour pouvoir euh, développer euh, de nouveaux designs euh, au niveau euh, pédagogique, appuyés. Euh, par les technologies que l'on a à Innova, ou qu'on n'a pas encore à Innova et qu'on va aller chercher. Alors, pour les projets en cours, euh, comme je vous l'ai mentionné, en novembre, on a un colloque sur l'intelligence artificielle en éducation. Euh, on a quand même très élargi nos projets euh, en dehors de l'éducation avec tout ce qui touche euh, les arts et la culture. Donc, euh, on avait travaillé avec la Galerie d'Art d'Ottawa. Pour un projet qui a été déposé au Conseil des Arts pour pouvoir accompagner, par exemple, une photographe franco-antarienne, qui est une photographe qui fait de la photo matérielle, mais qui serait intéressée à faire de la photo immersive par rapport aux œuvres qu'elle a réalisées. Donc, c'est quelque chose qu'on pourrait faire avec elle en l'accompagnant au niveau du cylindre immersif. On a un projet de recherche en cours avec la faculté d'éducation, qui est en fait 12 modules sur la gestion pédagogique de la salle de classe. Malgré le programme de trois ans, les stages en salle de classe, les étudiants à la faculté d'éducation se retrouvent parfois vraiment dépourvus au niveau de situations pédagogiques extrêmes. Ils ne savent pas comment les gérer. Donc l'idée, c'est qu'on va recréer certaines situations pédagogiques extrêmes au sein du cylindre immersif avec différentes stratégies de résolution. Donc c'est le projet en cours avec la faculté d'éducation. Avec la faculté de droit, je vous l'ai mentionné, euh, c'est euh, d'entraîner de, euh, des étudiants à la plaidoirie. Il y a déjà euh, des projets très novateurs de la faculté de droit où les étudiants peuvent s'entraîner à la plaidoirie dans le métaverse à l'aide des casques de réalité virtuelle. Mais là, ils pourraient euh, donc pratiquer leur euh, pratique de plaidoirie face à un tribunal tourné en 360, face à une cour avec le juge, etc., qu'on ferait dans le cylindre immersif. On a aussi des projets de recherche qui ont été initiés en discussion avec les conseils scolaires de langue française de l'Ontario, avec certains des conseils. Donc on a déjà même les conseils scolaires, écoles élémentaires et secondaires qui sont déjà intéressés et impliqués dans certains projets avec Innova. Et on a aussi déjà initié, ça c'est aussi un, un beau succès, euh, des ententes avec euh, donc, euh, des compagnies euh, qui travaillent donc, dans le domaine du tech, comme on dit, euh, DeepSight, euh, qui a une application en réalité augmentée, qui sont très intéressés par ce qu'on peut faire en termes de développement de ressources à Innova, et aussi euh, les fameux euh, euh, oui, Lightboard, donc euh, tableaux lumineux, euh, euh, avec une technologie très euh, qui est très très élaboré, euh, qui permet donc à un prof d'enrichir ses cours. Euh à distance en utilisant un tableau et avec ses mains de pouvoir ramener du des PowerPoint une page web écrire sur le tableau lumineux à distance donc ça enrichit en fait un petit peu son cours si vous connaissez par exemple Khan Academy bon Can ben Academy utilise ce qu'on appelle des lightboard mais l'idée c'est que le studio va beaucoup plus loin que le simple tableau donc on a déjà des partenariats headtech qui sont déjà en marche et l'idée c'est de, de pouvoir faire une rotation de nos partenariats avec l'entreprise privée pour explorer toutes sortes de technologies qui peuvent avoir une valeur au niveau apprentissage et enseignement. Donc, euh, vous voilà mon l'adresse du site web d'Innova. Euh, vous verrez qu'il y a aussi la possibilité euh, avec un formulaire pour réserver des salles si vous êtes intéressé, vous habitez dans la région d'Ottawa, et puis mes coordonnées euh, si vous voulez euh, avoir davantage de détails. Et puis, si vous êtes dans la région d'Ottawa et puis que vous voulez euh, visiter Innova, ça fera grand plaisir de vous y recevoir. Donc, voilà ce qui met fin à ma présentation. Puis, je vais avoir le plaisir de répondre aux questions. Wow, merci. Merci, Hubert. Le, le petit hamster roule, je pense, pour plusieurs d'entre nous. Il y a eu quelques questions dans le clavardage. Peut-être avant de voir s'il y a des questions, il y a une question en particulier qui était euh, au sujet de, des technologies de suivi oculaire. Est-ce que les technologies de suivi oculaire sont légales? C'est une question qui est venue de Nicole. Peut-être que Nicole, tu peux préciser davantage. Alors, alors, je ne suis pas du tout expert dans la matière parce qu'on ne les a pas encore, les technologies oculaires. Mais je sais, par exemple, qu'il existe un laboratoire Inspire à l'Université d'Ottawa qui utilise les technologies euh, oculaires. Euh, en fait, euh, à chaque fois, euh, on, on, on fait toujours des ententes, que ce soit avec euh, le conseil scolaire, avec la direction d'école ou avec les élèves et les parents des élèves, pour expliquer quel est le projet, leur expliquer quel est, quel est le type de données euh, qui vont être enregistrées. Et, et, et les parents vont l'accepter ou ne pas l'accepter, mais il y a toujours en tout cas tout un processus administratif pour clairement expliquer quelles vont être les données qui sont enregistrées et, et, et comment est-ce qu'elles seront exploitées. Donc je ne peux pas en dire trop 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 parce que qu'on n'a pas fait de projet encore avec les technologies de suivi oculaire, mais je sais qu'il existe au moins un laboratoire à l'Université d'Ottawa. Qui reçoit, qui reçoit parfois des enseignants et des élèves ou des étudiants. Et il y a donc toujours ce formulaire qui explique exactement quel est le projet en cours, quelles sont les données et comment les données sont exploitées. Je, je ne sais pas si ça répond à la question. Je suppose que oui. Je sais que j'ai vu un autre commentaire de Sarah qui était vraiment euh, très intéressée par l'usage pédagogique, que vous allez faire des différents dispositifs technologiques. Allez-vous partager vos retours d'expérience, puis sous quelle forme? Et puis là, là, ça a été mentionné que la communauté de pratique, là, ça, ça serait une bonne façon de le faire, mais il y a sûrement d'autres façons. Vas-y, oui, ben on va, on va, on va de toute façon, parce qu'on dit souvent une image vaut mille mots et parfois euh, un reportage photo ou surtout reportage vidéo, c'est ça parle aussi. Euh Beaucoup plus et beaucoup plus facilement que, que des documents de dizaines et des dizaines de pages. Alors, effectivement, on va partager des ressources dans les communautés de pratique, on va partager des ressources sous forme de ressources éducatives libres qu'on déposera dans la bibliothèque libre du campus Ontario et d'ailleurs en tant que tel. Et on va certainement, mais alors ça va toujours évidemment dépendre de cette fameuse équipe dédiée et des ressources qu'on aura, mais on va certainement monter une page et un canal YouTube sur lequel on va énormément faire de reportages sur tout ce qui se passe. Au sixième étage de CRX à Innova, avec des reportages vidéo, des témoignages vidéo, des traces vidéo. Donc, on va énormément, énormément partager, principalement, je pense, dans les communautés de pratique, sous forme ressources éducatives libres et probablement sur un canal YouTube dédié à Innova. Justement, au sujet des communautés de pratique, on demande la question est-ce que c'est déjà euh, organisé C'est déjà ouvert Comment on met notre nom C'est sur la liste de nos devoirs pour cet automne. <laughs> les, les choses se bousculent énormément. Je dois vous avouer que euh, même avant l'inauguration, les gens euh, ont eu. Poser beaucoup, beaucoup de questions par rapport à Innova. Il y a énormément d'engouement. Je ne vais pas dire trop, mais il y a beaucoup d'engouement et les choses déboulent à toute, toute vitesse. Et pour l'instant, on manque énormément de personnel pour faire fonctionner la machine Innova. Euh, donc, on essaye de faire au mieux, mais il y a énormément, énormément de travail et de choses encore à mettre en place au cours de cet automne. D'où l'importance d'aller de chercher des partenariats, puisque tu as mentionné. Donc, ouais, ouais. Et de s'appuyer euh, sur la communauté. Et s'appuyer sur la communauté. Le courriel, on va le mettre dans le clavardage. Donc, je pense qu'il a dit, on pourrait mettre le courriel de Hubert dans le clavardage pour que les gens puissent communiquer euh, avec toi. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions Il y a encore un petit, quelques quelques minutes. Amanda, vas-y. Faut que tu parles plus fort, Amanda. On t'entend pas. Le système, il ne m'aime pas. Vous m'entendez bien? Mieux. Mieux. Euh, donc, quand j'ai vu le système igloo, puis le système immersif venir en tête, j'ai pensé, on a des cours qu'on veut mettre vraiment immersif en ligne avec le Kabelpo. Euh, comment est-ce qu'on va être en mesure? On a des élèves partout dans la province. Je peux taper ma question si ça va pas bien. Non, non, moi, j'arrive entre les mots à comprendre, que ça va. Euh, pour euh, avoir des kits dans les différents lieux partout, parce qu'on a des élèves dans plein de différentes écoles dans la province de l'Ontario. OK, donc si, je vais juste résumer la question pour être sûr, Amanda, que j'ai bien entendu. Comment est-ce que euh, des élèves du CAVELFO qui sont éparpillés partout en province vont pouvoir, grosso modo, bénéficier de ce qui va se passer dans le cylindre immersif J'ai bien compris OK, super. Bon, euh, en fait, en fait, euh, je dirais que c'est la technologie la la, la moins portative, euh, le cylindre immersif. Ils vont pouvoir. Euh ils vont pouvoir visionner et suivre ce qui se passe au sein du cylindre immersif. Dans le cadre, par exemple, d'une un, conceptualisation, ou d'une scénarisation avec différents choix stratégiques, ils vont pouvoir observer ce qui se passe dans le cylindre immersif et les élèves vont pouvoir dire, nous, on n'aurait pas pris la stratégie B, on aurait pris la stratégie A parce que X, Y, Z, etc. Mais à distance, pour pouvoir bénéficier de ce qui va se passer dans le cylindre immersif, c'est à peu près la seule, la seule option envisageable en tant que telle. Par contre, évidemment, tout ce qu'on va développer pour les casques de réalité virtuelle, il faut savoir qu'un casque de réalité virtuelle coûtait 600 dollars, ben je vais dire uniquement, je veux dire uniquement par rapport aux 6000 dollars que peuvent valoir le casque HoloLens, mais le nouveau casque qui vient de sortir la semaine passée de Meta, euh, je pense qu'il est à 400 dollars canadiens vous voyez le prix, le prix descend en tant que tel. Par contre, tout ce qu'on va pouvoir développer comme contenu pour les lunettes de réalité virtuelle, comme je vous l'ai dit, soit soit les établissements vont s'en acheter et on pourra partager les contenus développés pour pouvoir les importer dans les lunettes et que, que tous les contenus soient utilisés à, à distance. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Hubert? Donc, il y a vraiment beaucoup de commentaires sur c'est un projet très intéressant, euh, c'est innovant, inspirant. Je pense que les ménages se font aller euh, parmi tous les participants participantes. Merci beaucoup, beaucoup Hubert, d'avoir euh, pris le temps de nous partager euh, les détails. Puis, euh, je pense qu'on on, on vient juste de voir le, 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 la pointe de l'iceberg. Il y a plein, plein de choses en dessous qu'on va pouvoir explorer. Donc, merci à vous tous d'avoir participé à cet atelier du REFAD. Elodie euh, a mis euh, euh, un. Petit questionnaire de satisfaction, euh, donc on vous demande de le compléter. Donc l'atelier d'aujourd'hui euh, va être mis en ligne aussi sur euh, notre page YouTube, donc vous pourrez le partager à des collègues, à des amis, à, à d'autres, euh, gens dans votre entourage. Euh, donc on espère vous voir aussi pour le prochain atelier du 16 octobre intitulé "Oser les mécaniques de jeu dans vos formations" avec Sophie Caliès et Cédric Félicité de Brignac. Donc euh, on se revoit dans, dans deux semaines. Mais merci beaucoup, Hubert. Merci beaucoup à, à vous tous et toutes d'être là. Puis, euh, on a hâte de bénéficier de cette technologie-là. On, on s'en va réfléchir. Là. <laughs> merci tout le monde.